leur demander que, quand même de s'inscrire dans la dynamique inscrite par le chef de l'État qui prône une gouvernance sobre et vertueuse, et aussi de l'accompagner dans sa politique de lutte contre la fraude et la corruption, en répondant présent à, quand même aux invitations. Je sais que certains maires quand même n'ont pas répondu à l'appel. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'OFNAC ou pas. En tout cas, quand on parle de l'OFNAC, on pense à la déclaration de patrimoine. Mais ils doivent donner le bon exemple en tant que gestionnaire de deniers publics, mais aussi en tant que détenteur de mandat public. Je pense que la déclaration de patrimoine, mais même la gestion sobre et vertueuse doit les interpeller. Donc, je leur demande quand même de se rapprocher de l'OFNAC. S'ils sont concernés par la déclaration de patrimoine, qu'ils en fassent quand même, qu'ils remplissent cette formalité, parce que c'est une formalité substantielle dans la lutte contre la corruption, et qu'ils sachent que vraiment la lutte contre la corruption n'est pas quelque chose d'orienté envers certaines personnes, mais c'est pour un Sénégal vraiment où la transparence quand même est une règle d'or. Maire Yubéry gis ñu leen convoqué invité won nañ leen bon ñom nak leg leg ñu nan libre administration ba buñ invité am dina am ñu ñew am ñu dun ñew nek lo xamné aussi rafetul mais ñom kenn warul leen fone ñëk ndax d'abord ñom population bi dañ leena fal ensuite ngay gérer xaalisu dëkk bi donc yaakar na né buñ wax mbirum transparence. Donc ñom kenn waru leen seen jitu motax ñu regretter rek le fait que ñu bari ñewuñu di profiter ci occasion ba leen xamal ne vraiment président de la République action daf ko lal ci mbirum transparence ci mbirum lutte contre la fraude ñu accompagner ko ci xex bobu ndax Sénégal mënul jëm kanam mukk budé transparence ak corruption jëlé wuñ ko.